Salut, je vous présente les cinq nouvelles à ne pas manquer aujourd'hui, même si c'est pas grave si vous les manquez. Cinquième position, ne soyons pas fragiles du sapin. C'est une chronique de Yves Boisvert dans La Presse qui revient sur cette histoire -là de cette motion à l'Assemblée nationale mercredi... Euh... Rappelant le, que, que Noël est une fête québécoise et qu'il faut la défendre et que ce n'est pas raciste de fêter Noël, ça c'était suite à une, une, un texte de, de la Commission des droits de la personne du Canada. Que, dans un document de réflexion a dit que ben euh, la, la fête de Noël c'est un peu discriminatoire pour les personnes qui sont d'autres religions parce que eux ils peuvent pas avoir des congés pour leur propre fête et parce qu'à Noël ben c'est ça vu qu'ils fêtent pas Noël ben il n'y a, a pas de bénéfices pour eux c'est donc un texte de un, un document de réflexion qui a été publié il y a un mois que tout le monde s'en sacrait, qu'il n'y a aucune portée juridique, que ça ne change absolument rien. Et l'Assemblée nationale a décidé d'instrumentaliser ça. Je ne sais pas comment ils sont tombés là-dessus euh, et, de, euh, et de, 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 de faire une motion pour dire que euh, c'est important Noël. Puis ils ont même dit après, après avoir fait la motion, euh, on va l'envoyer au Père Noël, cette motion complètement ridicule. Après ça, à Ottawa, Yves-François Blanchette est allé, euh, est allé demander à la période de questions à Justin Trudeau si euh, le Père Noël était raciste, s'il pensait que la neige était raciste. Complètement sauté. Euh, si vous voulez avoir, entendre tous ces clips-là, j'ai fait une chronique à la radio là-dessus, c'est disponible aussi sur mon, euh, ma chaîne YouTube. Euh, mais c'est vraiment fascinant comment les, les politiciens, ont, ben, puis évidemment les chroniqueurs aussi, hein, même Benoît Dutrizac a décidé de faire une entrevue avec le Père Noël pour lui demander s'il trouvait ça correct. Un peu absurde. Mais donc les politiciens rep, 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 reprennent cette histoire-là pour, euh, pour nous dire que c'est fou, comment euh, euh, on est menacé, mais tu sais. C'est quelque chose qui n'a aucune portée, que qui, ça change absolument rien, mais c'est vraiment juste pour, euh, pour euh, faire de la merde Puis là, les, 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 les députés, euh, il y a des, des députés ou des ministres qui disaient, on nous, ils sont en train de nous dire que fêter Noël, c'est xénophobe, c'est raciste. Ben non, ce pas ça pendant tout. Euh, ceci dit, la Commission des droits de la personne, là, ils sont un petit peu exagéré là, dans, dans l'autre sens, là, dans leur ouverture sur le monde, et tout ça, là, qui veulent, ils veulent euh, accommoder tout le monde. C'est too much, c'est sûr, mais quand même, je trouve ça déplorable de, de reprendre une nouvelle comme ça, puis de faire croire aux gens qu'on veut nous enlever Noël. Vous pouvez garder euh, votre sapin. Quatrième position, une députée conservatrice demande une réponse en anglais de la ministre Saint-Onge. Ça se passe dans une commission parlementaire à Ottawa. Et euh, la, la, la députée euh, Rachel Thomas, Rachel, Rachel Thomas, je ne sais pas, elle a demandé à la ministre saint ange de lui répondre en anglais. Euh, je trouve ça complètement euh, débile parce que euh, on imaginait l'inverse si euh, Pascal saint ange avait demandé à une. Une députée euh, anglophone de lui répondre en français. Premièrement, probablement qu'elle n'aurait pas été capable d'y répondre en français. Deuxièmement, il euh, euh, on, on, y a deux langues officielles au Canada. Normalement, on devrait pouvoir parler dans notre langue. Et quand on veut parler de sujets euh, plus pointus, c'est toujours plus facile de le faire dans notre langue pour utiliser les bons mots. Euh, donc euh, voilà. Puis ce député-là, Rachel Thomas, a l'air aussi désagréable que son chef. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai des préjugés envers les conservateurs, mais je trouve que des fois, ils ont l'air ils ont pas gentils. Troisième position, le, la Cour suprême russe bannit le mouvement LGBTQ, pour extrémisme. Euh, ils, disent, ils ont dit là-bas que c'est un projet bien organisé et planifié pour saper les sociétés traditionnelles de l'intérieur, donc les, le complot LGBTQ, pour convertir toute la population en homosexuelle. Il euh, faut se méfier de ça selon les Russes. et, et pas, Ils ont fait une espèce de... de, de pas de procès, là, mais de, de, de commission là-dessus. Puis euh, évidemment, le mouvement LGBTQ, il n'était pas représenté dans cette commission-là parce qu'on s'entend qu'ils ont un petit peu la chienne. Donc, il euh, faut être fra fragile en Maudit quand même pour se sentir menacé par la communauté LGBTQ. Il euh, faut, faut avoir peur. C'est quoi, ils ont peur d'être euh, convertis à l'homosexualité? Je comprends pas. Deuxième position, une cofondatrice de Moms for Liberty impliquée dans un ménage à trois. Ça, c'est sur le blog de Richard Etu. Euh, donc, Moms for Liberty, ça, c'est un regroupement qui était contre les mesures sanitaires en Floride, je crois, et euh, qui, qui a pris de l'ampleur. Donc, des mamans pour la liberté qui voulaient, euh, c'est ça, continuer à vivre leur vie euh, malgré une pandémie mondiale. Et là, ben, depuis que la pandémie est pas mal terminée, ils sont, euh, ils sont reconvertis en militants contre le mouvement LGBTQ+, justement. Des fois, la Russie puis la Floride, hein, ça, ça se ressent. Et euh, donc, ils disent que, que les, les, le mouvement LGBTQ+, euh, endoctrine nos jeunes, et les détournent de la norme hétérosexuelle. Donc, une autre gang qui ont peur d'être convertis. Et euh, euh, ce qui me fascine, c'est l'hypocrisie de ces gens-là. Souvent, on voit ça, hein, des zélés de la religion, des, des conservateurs, euh, des très, très. Euh, des personnes, des, des républicains très conservateurs qui sont pognés dans des scandales sexuels. Ben, c'est ça, c'est un peu ce qui est arrivé avec cette dame-là qui a participé à ce qu'on appelle un trip à trois dans, et, euh, avec son mari et une autre femme. Et, euh, et bon, l'autre femme accuse le mari de viol, je crois. Donc euh, il y a un gros scandale autour de ça. Et je Selon mes calculs, quand tu fais un trip à trois, il y a quand même deux personnes du même sexe là-dedans. Fait que pour quelqu'un qui s'inquiète de, de, du détournement de la norme hétérosexuelle, c'est quand même assez ironique. Et en première position, c'est une nouvelle de The Guardian euh, en, en Angleterre qui nous rapporte que le Paraguay, un, un représentant officiel du Paraguay a signé une entente avec un, un pays fictif. Alors, c'est le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture qui a signé une entente avec un pays qui n'existe pas, les États-Unis de Kailais, Kailasa. Et euh, il s'est fait avoir. Euh, il pensait que c'était un vrai pays. Il n'a pas fait ses recherches, le monsieur. Et euh, il a signé une entente. Là, ils l'ont évidemment congédié, ce gars-là. Il manque un petit peu de jugement. Euh, mais ce qui. Tu sais. On dirait que maintenant, on n'est plus capable de différencier le vrai du faux. Euh, Puis là, c'est rendu même dans les, les gouvernements. Mais ce qui, est, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on n'est même pas encore rendu à l'ère où les deepfakes euh, envahissent euh, les réseaux sociaux. Il y en a un petit peu, mais... On est quand même euh, capable de les spotter, sauf que ça pourrait euh, changer euh, pas pire. Donc euh, comme, comme quelqu'un se fait berner par une arnaque d'un roi nigérien, ben le gars du Paraguay. Paraguay ou Paraguay? En tout cas, le gars s'est fait, euh, fait arnaquer et euh, bon, au moins, ils ont une belle entente avec les États-Unis de Kyle J'espère que ça va porter fruit. Alors voilà, c'était vos nouvelles du jour. Je vous rappelle que tous les liens sont disponibles sur Aster.ca. Et euh, bonne journée.